Tout pour hôtel de la place, bon, pharmacie haïtienne. Je vais dans la place où je vais devant l'ICA. Non, mais mon nom a fait bientôt parce qu'on faut camper là. Il me semble que je ne peux pas avancer plus bas. C'est comme ça que la situation évolue en bas. C'est ça que nous avons gardé là. Situation bloquée. Ça, c'est Jacques Mel. Bon, nous avons remarqué l'argent que la police a pris. Les élèves sont sortis. Et puis, les élèves sont sortis, ils ont lancé gaz. Ce qui n'est pas normal du tout dans un pays. Ce n'est pas logique. Et bien, moi, invite à nous vivre situation ça jeudi là. Et que tout n'est pas pour faire assoyant sur le reportage là. Tout élève est en dedans, il fait sortir et puis immédiatement au sortir, il lance le gaz. Où est l'élève collègue, une apporte de solidarité avec mon élève lycée, nos manifestations qui ont fait passer. Bon, justement, ça que c'est une victime, Mathieu, élève qui est victime, côté que tout le monde est révolté et il y a plusieurs monde qui est arrivé pour la rue pour lui, qui a bâillé quelques informations de ça qui est arrivé le matin, on a invité autant de ensemble avec nous. Oui, nous sommes Yves Belleville. Quand on parle de la caille, nous avons pris un gaz, nous avons tombé à terre, nous avons pris un pile, nous avons pris un coup de bâton dans la tête, nous avons pris un maltraité, nous avons pris un petit roche. Innocent, pour ne pas la caille, on a dit dans le cas j'ai des on a dans le cas pour dire innocent, on a dit pour me battre, bien battre, mais guide-moi. Mais c'est pour qui ça une manifestation matin, pour qui ça nous a motivé, nous a pris là où en matin, c'était pour qui ça a bu, qui cause, qui était poussé. Je ne sais pas qu'on a même la caille pour aller, nous avons dit que les manifestations devant l'école du Sépichéna, pour ne pas la caille, on a dit pour me battre, bien battre. Mais est-ce qu'on n'a pas une idée de pour qui ça a élevé de choisir de révolter? Oui, le collège, moi. Mais de faire nous connaître que c'est quelque bruit parce que élèves ou pas jeunes professeurs ont décidé de révolter via avec professeurs qui ont pas jeunes qui étaient poussés que manifestation matin ont été faites. Ou pas vraiment grand idée? Pas grand idée. Ok, merci. Expliquez-nous un peu de ce qui est passé matin parce que vous êtes victime. Vous pouvez que vous avez nous plus d'informations. Bon, c'est ce qui est passé matin. Donc, bon, je dis que bon, pour les bagages, c'est un manque de responsabilité envers l'autorité locale. Parce que nous avons vu 3-4 semaines depuis une équipe élève dans la rue. Depuis une équipe élève dans la rue, donc l'autorité n'a pas fait aucune. L'autorité n'a pas fait aucune diligence donc, pour retirer les élèves dans la rue. Donc, la situation est venue empirer de jour en jour. Bon. Je dis à nous-mêmes, moi-même personnellement, quand on marche en téléphone, quand on vend dans un business, mais pas dans une manifestation, moi victime, c'est par rapport à que. Et là, je viens de faire deux autres, je viens en face de la police. Et puis la police vient de courir derrière un élève. Et puis il passe ensemble avec toute la police, il rabote et il va tomber. Donc c'est aussi dommage. Et puis par rapport à ça, il va tomber, il va tomber à terre, il va énervé émotionnellement. Moi, je relate des mots pour me battre contre la police. Bon, par la suite, je n'ai pas maîtrisé, je descends avec le commissariat. Et puis après ça, nous arrivons, nous réglons tout le bagage. Tout le bagage finit une fois pour toutes. Eh bien, ok, merci pour l'information.